Funèbre, ça a été une soirée quand même pas ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qui n'a pas marché en réel? En réel, je sais que n'a pas marché. Les tirs ouverts n'ont pas marqué, les paniers faciles, surtout moi aussi, n'ont pas marqué les paniers faciles. Et puis, bon, les matchs là, on n'a pas minimisé, mais on n'a pas bien joué comme il faut voir. C'est ça. Sur le plan personnel, vous vous êtes marqué cette saison, on a vu que Founé a été une joueuse beaucoup plus entreprenante, beaucoup plus audacieuse que les années précédentes. Qu'est-ce qui a été votre secret? On sait que le championnat, ça reste parce que vous devez jouer face à cette même équipe en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Qu'est-ce qui a, sur le plan personnel, qu'est-ce qui est votre secret? Bon, le plan personnel, mon secret, c'est juste écouter le coach. Il me fait juste confiance. Ce n'est pas la première fois, je vous dis, il me fait confiance. Bon, j'exploite ça et puis je m'entraîne matin et soir sans arrêt. Bon, j'ai promis à cette équipe, l'année passée, je vais rejouer cette équipe ici avec vous. Mais Inch'Allah, je vais faire tout pour jouer une finale avec vous. Alhamdoulilah, Dieu a accordé ça. Bon, j'ai joué une finale aujourd'hui. Ouais. Alors, Founé Cissokho, est-ce une déception pour ne pas gagner cette finale face à l'AS Ville-Dakar? Pourtant, vous avez bien démarré cette rencontre. 8 points d'avance jusqu'à 10, monnaie plus 10. Donc. Bon, je ne sais pas que ça m'arrive parce que moi personnellement, je voulais gagner ce titre-là pour rentrer l'histoire. Mais malheureusement, on a fait tout. Bon, et Ville-Dakar a des jours. Kounadao, on n'a pas pu arrêter Kounadao. C'est elle qui nous a fatigués, franchement. Elle joue bien. Elle joue bien, elle nous a fatigués. Mais on va essayer match prochain pour bloquer elle. Bon c'est courage. Ça. Merci.